Brian Narco. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez chopé l'une des grandes têtes du réseau par simple hasard, lors d'une course-poursuite. Exactement. Ah bah tranquille, bah si c'est si facile, moi je vous laisse vous démerder, je sers à rien. Vous avez plus qu'à choper le baron de la drogue et le trafiquant d'armes. Et puis avec un peu de chance, vous les retrouverez au beau milieu de Los Santos en train de danser une macarena en attendant gentiment de se faire arrêter. Agent MColo, calmez-vous. Vous avez mené récemment une opération Hot Pursuit. Vous avez fait du très bon boulot puisque vos arrestations étaient liées à Brian Narco. La chance a frappé aujourd'hui, vos collègues se sont joints à cette course-poursuite et il s'est avéré que Brian était l'un des pilotes. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Vous êtes en train de me dire qu'il a même pas survécu. On n'en tirera aucune info, on sait pas quand, on sait pas où, on sait juste qu'un attentat va surgir à Los Santos. Taisez-vous! Il n'aurait rien pu nous répondre, il ne savait rien. Il avait comme unique but de voler des voitures, les revendre et donner l'argent à Gunster, le trafiquant d'armes. Mais il n'avait pas plus d'infos. Ah, vous en savez des choses, vous. Nous sommes le FIB et vous n'êtes même pas censé savoir tout ce que vous savez. Vous êtes dans le coup, on vous fait confiance, alors ressaisissez-vous. Il y a encore 3 grandes têtes à arrêter et vous avez toute votre importance dans cette opération. C'est bien compris? Affirmatif. Mais j'ai changé. Je suis devenu quelqu'un de bien. Sauver les gens, protéger ma ville, c'est ça, ma vocation. Dispatch to any available central unit. Citizens report a medical emergency, a dead body. Units respond code 3. C'est ton ex? Ouais. Putain. Je sais que c'est toi. Fais pas l'innocent, je sais que c'est toi. C'est quoi ton problème? À côté, je t'ai vu hier soir, tu vas pas me casser les couilles. Ça c'est outrage à agent. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me taper ou quoi? T'arrêtes. Tu veux qu'on se tape? Tu veux qu'on se bagarre? Tu vas voir toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton putain de problème? Tiens, foncier. Agent MColo, vous êtes en état d'arrestation. Laisse-toi faire, ça va bien se passer. Voyez, vous êtes quelqu'un d'important, que je ne vous entende plus nous dire que vous servez à rien dans l'opération. Vous vous rendez compte ce que vous m'avez demandé de faire? Suivre mon ex et buter son fils de pute de mec, et après je suis censé être quelqu'un de bien? Son fils de pute de mec, comme vous dites, est incriminé de viol sur mineur. Il est dans nos lignes de mire depuis longtemps et on pouvait rien faire contre lui. Aucune plainte, aucune preuve légale. Bien évidemment, nous avions des preuves, des témoins, des victimes. Nous devons agir dans l'ombre pour ce genre de mission. Souvent, la justice n'existe pas et nous devons être au-dessus des lois pour la faire régner. Donc mon ex m'a lâché pour cette ordure. Gardez votre sang-froid et votre professionnalisme, c'est déjà très fort ce que vous avez réalisé. C'est une preuve que vous êtes digne de confiance. Par contre, le gars que j'ai tabassé parce qu'il m'a grillé... Hein. C'était prévu, et il va bien, c'est un de nos employés. Mais pourquoi avoir fait ça? Nous sommes le FIB, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Fallait bien qu'on trouve un moyen de vous exfiltrer de ce merdier. Et du coup, mon boulot d'agent de police, je risque quoi? Vous ne risquez rien. Officiellement, aux yeux de la loi, vous avez tabassé un gars qui faisait outrage à agent. Vous avez perdu les moyens, étant donné que c'est le domicile de votre ex, et il n'a pas porté plainte. Vous n'avez jamais fauté depuis un moment, on peut rien vous reprocher. Je peux reprendre du service classique? Exactement, et ça tombe bien. Nous n'avons aucune nouvelle des deux dernières grandes têtes du réseau. Je pense qu'ils ont eu des infos sur ce qui se passe à Los Santos. Ils ont compris qu'on peut les arrêter facilement, ils doivent temporiser. Mais on va pas baisser la garde. John Kropp surveille toujours l'aéroport et les effectifs militaires sont toujours en place. Agent MColo, reprenez un temps une vie d'agent de police normale. Ne vous faites pas trop remarquer dans votre hiérarchie et continuez de faire régner l'ordre sur la voie publique. On vous recontactera pour de prochaines opérations. Ici Agent MColo, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu, au bout de 10 minutes quand même, on est bel et bien sur LSPDFR, j'espère que vous avez kiffé cette introduction, 10 minutes de court métrage, de court long métrage, moyen métrage, non je ne sais pas, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez suivi le scénario aussi, oh le petit... Excusez-moi, je regardais un truc sur l'écran à droite. Voilà, j'espère que vous n'avez pas fait attention à ce que j'ai regardé. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez suivi le scénario. Pour la faire courte, tout simplement, il y a 5 grandes têtes du réseau au total par rapport à l'attaque terroriste qui menace d'arriver. Seul le FIB est au courant de cette grosse menace terroriste, on va dire. Et parmi ces 5 grandes têtes, il y en a 2 qui sont tombés. Un qui est arrêté en prison et l'autre qui est mort. Voilà, d'une course-poursuite globalement. Donc il en reste encore 2, on va dire, principaux dont on connaît, à savoir le trafiquant de... Pas ouf. À savoir le trafiquant de drogue et le trafiquant d'armes. Et pour ce qui est de la 5e grande tête du réseau, en fait, on ne le connaît pas. On sait juste que c'est celui qui organise tout ça et qui va faire boum à Los Santos. Et pour le moment, on n'a pas de news sur ces dernières grandes têtes. Du coup là on est un petit peu en off tranquille et là je fais un petit peu profil bas par rapport à la cinématique. Ce qui s'est passé en fait, c'est le FIB qui m'a envoyé sur une mission qui n'a pas de rapport avec le thème principal de notre aventure, mais voilà, un petit truc en parallèle pour montrer que je sers à quelque chose. Voilà, j'espère que vous avez suivi le truc. En tout cas voilà, aujourd'hui, alors j'avais hésité à faire une patrouille en vélo justement pour faire ça chill, mais en vrai je suis d'accord, c'est cool une patrouille à vélo, mais le problème c'est qu'on peut pas prendre les interventions quoi. En fait on se balade juste et on regarde si les gens vont bien. Donc ça on verra ça ultérieurement, mais pas maintenant. Donc là on va patrouiller, il fait beau, il fait chaud, on est en t-shirt, on va patrouiller au bord de Vespucci Beach avec ma petite collègue. Alors regardez comme elle est mignonne. Bon voilà quoi. Donc avec notre petit véhicule en tout cas, et on va faire profil bas entre guillemets. Disons on va être un policier normal. Voilà. Tu peux rentrer dans le véhicule Minette? Merci. Alors on va pas l'appeler Jeff hein. Je vous avais demandé des idées de noms de partenaires et le commentaire le plus liké c'était pour Jeff. Alors le problème c'est qu'un partenaire féminin Jeff ça va être un peu compliqué, mais je me suis permis de prendre un partenaire féminin pour la simple et bonne raison que quand on fait des interventions c'est toujours sympa d'avoir une femme avec. Si jamais on doit faire des palpations de sécurité sur des femmes par exemple, et comme moi je ne suis pas habilité à le faire. En tout cas voilà, salut collègue. Ok, du coup on est parti pour une petite patrouille tranquillou bilou. Ça peut partir en cacahuète, on va pas se mentir, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour vérifier que tout se passe bien. Eh, ils vont se calmer les loulous là. C'est en train de klaxonner à fond les ballons, eh oh. Qu'est-ce qui se passe, le camion là, il fait quoi lui? Putain, je viens de capter qu'il y a un bouchon là. Ouais, alors ça on va pas prendre cette intervention les amis, vous vous en doutez. Une tentative de bombe, enfin d'explosion, ça c'est vraiment terroriste et c'est à l'aéroport, et vous inquiétez pas que tous les effectifs sont sur place. Je vous le rappelle, à l'aéroport on a John Kropp et en plus de ça on a tous les militaires et la SWAT, et le SWAT pardon qui est sur place évidemment. Donc est-ce que c'est lié d'ailleurs à notre histoire? J'en ai aucune idée, mais on le saura éventuellement par la suite si jamais c'était lié, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas voilà, on est là pour chiller aujourd'hui. Voilà, pour faire un petit peu notre boulot traditionnel, tel un policier lambda finalement, parce qu'à la base nous sommes un policier lambda, mais c'est juste que le FIB nous fait confiance pour certaines choses, et là pour le moment nous ne sommes plus liés à ça, on nous a un petit peu dispatchés, voilà. Allez, on va aller du côté un petit peu de la plage avec ce petit hélicoptère incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air en panique lui. Ça veut dire on fait une vérification de véhicule. Allez, une petite plaque d'immatriculation. On va demander au central. Georges Carzona. Ah oui, j'ai un problème de son. Ah, assurance expirée. Et il a l'air en panique un peu là. Il sait pas où il va. Bon, attendez, écoutez, on va juste... Qu'est-ce qu'il fait? Non, par contre, il est très suspect. Hein. Pourquoi il court lui? Ah non, c'est bon. Il fait... Alors juste, le gars devant fait vraiment des trucs bizarres. Hein. Au-delà de l'assurance... Ouais, je crois qu'il conduit sous état... On va s'en occuper. On va faire un petit contrôle. On va faire un petit contrôle. Est-ce que vous pouvez obtempérer, monsieur, s'il vous plaît? Putain, il comprend rien ou quoi? Ah, il a l'intention de se mettre sur le côté. J'ai un problème de son du coup les amis. C'est-à-dire que les voix des interventions, on ne les entend pas dans le casque. Donc vous ne les entendez pas, c'est trop bizarre. Bon. Monsieur me fait chier. Allez, suivez-moi là, monsieur. Ah bah tiens, voilà, on va se mettre dans une impasse. C'est une belle voiture en tout cas qu'il a. Hein. Donc c'est un petit peu dommage ce qui lui arrive. Voilà, on va se mettre dans cette impasse. Voilà. Hop. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? C'est la police. Tranquillou bilou quoi. Je vais vous demander tous vos documents s'il vous plaît. Papier d'identité, en tout cas permis de conduire, carte grise et assurance s'il vous plaît. Georges Carzona, très bien. La carte grise c'est bon. Et l'assurance, vous avez une assurance mais elle est expirée. Voilà, hein, depuis le 23 septembre 2020. Nous sommes en 2021 monsieur. Là je vois la vignette, non non. Bon monsieur Georges, qu'est-ce que c'est que ça? Bon apparemment il y a une petite odeur d'alcool. Oh d'accord, bon monsieur, vous n'avez pas... alors comment ça se fait du coup? Alors attends, je crois que je vais demander... hop, voilà. L'assurance, elle a expiré là, comment ça se fait monsieur? S'il vous plaît, donnez-moi juste un avertissement. Ok, on peut s'en arrêter là monsieur. Par contre, on va juste faire un petit test d'alcoolémie si ça ne vous dérange pas monsieur. Je vais vous demander de souffler pour voir si vous êtes positif. Soufflez, 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 encore, allez, encore, c'est bon. Ah, monsieur positif. Alors monsieur, oui, monsieur vous êtes très positif d'ailleurs. Alors monsieur, je vais vous demander de sortir du véhicule s'il vous plaît. Tout en douceur. Voilà. Oh là monsieur, vous êtes pas très bien. Ouh là là monsieur. Attendez, venez, on va se mettre tranquillou bilou sur le côté là. Ouais, on va être gentil avec lui de toute façon. Soyons pas des connards. En plus on est au bord de la plage, on est tranquille. Bon monsieur là. Ah là là monsieur bah du coup ça sert, j'allais dire on peut faire des tests de sobriété mais ça ne sert à rien, on sait qu'il est sobre. On va faire un petit test aussi de salivaire, donc je vais laisser ma collègue là qui a cherché dans la voiture, voilà. Je te laisse faire le test salivaire là pour voir éventuellement si monsieur aurait consommé des substances illégales. En plus de ça. Super. Merci beaucoup. Bon bah c'est nickel. Bon monsieur par contre vous n'allez pas pouvoir prendre la voiture. Donc défaut d'assurance, conduite un peu donc bizarre, donc conduite en état d'ivresse tout simplement. Donc monsieur je vais devoir vous placer en cellule, comment on dit de nouveau, je ne sais pas. Bref, pour le moment vous êtes en état d'arrestation mais tranquille. Vous allez être, enfin vous allez être de rien du tout, c'est la merde monsieur, mais bon, vous avez tué personne on va dire. Vous avez obtempéré, vous êtes très bien, moi ça me fait plaisir. Il faudrait aussi qu'on le fouille vite fait. Vous avez rien d'illégal ou de dangereux sur vous monsieur? On va vérifier ça. Bon voilà, mais monsieur, mais monsieur s'est juste fait un petit plaisir là. Il est quelle heure là? Il est midi, ah ouais. Monsieur avait déjà pris l'apéro. Bon monsieur, les collègues vont s'occuper de vous. Et puis voilà, je suis désolé hein. Hop là, il a disparu aussitôt appelé, aussitôt disparu hein. Ok, on nous signale une personne avec un couteau. On y va, Pétunia. Ah, bon bah ça a disparu. Très bien, code 4. Bon bah tant mieux, Pétunia c'est bon. T'as pas l'air très stressé donc ça va. Tant mieux. Du coup on va juste terminer avec ce véhicule. On avait déjà fait les vérifications de plaques, c'est vrai. Je suis bête. Bah du coup on va appeler, j'allais dire on va appeler l'assurance, mais non puisque l'assurance a expiré. Ah bah oui c'est pas grave. C'est toujours la même assurance en théorie, je pense. Je pense. Donc on va appeler leur assurance. Hop là. Aussitôt appelé, aussitôt disparu aussi hein. Eh ben c'est assez original. Bon allez Pétunia on se casse. Il se passe des trucs un peu bizarres par ici. Pétunia. On va l'appeler Pétunia, j'aime bien. J'aime bien Pétunia, c'est sorti tellement tout seul. What? Une personne qui se fait attaquer par un animal, ça va être un chien je pense. On y va. Ouais alors par contre si toutes les interventions sont annulées, on va pas vraiment aller bien loin quoi. Concrètement. Bon. Qu'est-ce qui se passe là devant? Qu'est-ce qui se passe ici là? Mais les gars il se passe des trucs trop bizarres. Wesh. Il y a dû avoir une intervention qui est un peu... What? What? Alors... oui. Bonjour à tous. Il y a une mais oui, mais non. Mais c'est la manifestation. En fait, il y a une manifestation policière. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Ça faisait pas partie du scénario, mais... What the fuck? Bon, on n'a rien vu. Je me casse. On n'a rien vu, les gars. On va patrouiller ailleurs, tu sais quoi? Voilà, on va prendre ce petit pont qui n'est pas du tout adéquat pour notre véhicule, mais c'est pas grave. Et puis on va passer devant notre commissariat. Comme ça on va s'assurer que tout va bien aussi, parce que ça m'inquiète là, ce qu'on vient de voir les amis. C'est pas tous les jours qu'on voit ce qu'on a vu quand même hein. Y a que chez moi que vous voyez ça hein. Ah ça je vous le dis, les manifestations policières. Oh regardez y a les... Mais les gars, mais c'est le 1er avril ou quoi? Mais les gars, mais y a rien qui va. Je vous jure que je n'ai rien prévu hein. Mais ça va là? Ah ouais, je pense que... Oui, bon, je pense que tout va bien. Eh Pétunia, viens. C'est pas grave, viens Pétunia. Alors j'ose même plus passer devant... Je vais passer par là. J'ose plus passer devant le commissariat là. Parce que... Qu'est-ce qu'on va voir encore? Oh! J'entends une alarme. Attendez. Je sais pas d'où ça vient. Là on nous a signalé un véhicule suspect. Ok, c'est un citoyen qui a appelé en disant qu'il y a un véhicule suspect. Ok, bon on va y aller. On va enquêter un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Par contre on va repasser. Parce que si les véhicules suspects c'est les véhicules de police qu'on a vus juste avant, tu m'étonnes que ce sont des véhicules suspects hein. Alors on y va sans sirène hein, c'est code 2. Ah bah y'a plus personne, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais y'a une bagarre. Oh les gars! Oh les gars! Les gars! Arrêtez! Arrêtez! Tout le monde les mains en l'air! Voilà! À genoux! Oh l'autre il part, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Ouais, tu vas te calmer toi, tu vas te calmer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, l'autre il prend la fuite, c'est pas grave. Mais attendez, mais c'est quoi? C'est un travelot? Mais c'est quoi cet épisode? C'est quoi ce truc? Bon, monsieur, madame, j'en ai aucune idée. Et de toute façon, on est en 2021, donc c'est voilà, c'est pour ça. On va vous mettre dans l'arrière du voiture là. En attendant, on va continuer ce qu'on est en train de faire là. Parce qu'on n'a pas le temps pour vos conneries là, vos bagarres là, vos disputes familiales. Je sais pas qu'est-ce que vous faites. D'accord? Bon. Allez, Pétunia, viens en admission nous. Pétunia? C'est pas facile d'avoir un collègue. Hein. Allez. C'est parti. Un véhicule suspect. Ce serait con que ce soit un véhicule qui ait une bombe. Attends, j'enlève les sirènes. Enfin, les gyrophares. Où c'est qu'il est? J'ai oublié les indications. Je crois que c'était un véhicule noir. Ah bah là. Ouais mais c'est bugué hein. Là c'est full bugué hein. On va pas tenir compte de ce qu'on voit là. Ah ouais non c'est full bugué. Nous attends on va se concentrer. Ouais elle est trop belle la voiture. Bah c'est elle, c'est la voiture bleue. C'est elle. Bah, c'est une personne totalement normale dedans. Par contre elle est trop belle la voiture. Elle est trop belle. C'est qui nous a appelé? On ne sait pas. Bon là on va garder un taser en main parce que je le sens pas trop le truc. Oh ça fume hein. Bonjour. Est-ce que... Bonjour monsieur. Ça va? Eh reviens. Ok coup de feu. Adieu. Je peux rien faire. Allô. Bah voilà. Bonne journée Pétunia, là on se sépare, nos chemins ne sont pas bons, je peux pas compter sur Pétunia, ça va mieux là, écoutez ça fait quelques jours que j'étais à l'hôpital et oui on a mis la voiture un peu comme on a pu. Pétunia elle part, on la laisse prendre des vacances, elle était pas au top non plus, moi ça va mieux donc je reprends du service en tout cas voilà, c'est un sketch cet épisode et je pense qu'on est loin d'être au bout de nos surprises, hein, donc voilà, tranquillement Pétunia regardez. Salut Pétunia. Bonne journée Pétunia. Bon allez, on va passer entre les mailles du filet nous. Bon on n'est plus du tout au niveau de la plage. On va un petit peu y aller. Hop. Voilà. On va s'en rapprocher tranquillement. En attendant une petite intervention ou quelque chose de suspect. Alors je regrette, ça fait quelques jours maintenant que cette intervention avec le véhicule bleu. Voilà mais on n'a pas pris les meilleures précautions. Et la vérité, j'arrivais pas à sortir mon arme à tirer. Je comprends pas. GTA me troll. Là, je vous le dis entre nous, on enlève le RP. GTA me troll depuis ce début d'épisode, on est bien d'accord? Alors, je sais pas, c'est un prank. Oh! C'est pas parce que t'es postier que t'as de l'avance sur tout le monde. Tu recules. C'est quoi ça? T'essayes de gratter tout le monde ou quoi? Ça va pas aller ça, monsieur, hein? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, il est malade? Ouais. Monsieur a l'air bien pressé. Ah, je suis policier, je suis là pour ça. Hein. Oh. Allez, hop, c'est parti. On passe devant, parce que du coup, hop là. Moi, je suis plus important que la poste. Du coup, tout va très très bien. Dans le meilleur des mondes. Bien évidemment. On est au niveau du golf. Le taxi aussi a l'air très pressé. Hein. Venez, on fait un petit plate vérification de plaque sur le taxi. Okay, il veut pas fermer sa gueule, l'autre qui parle. Oh! Qu'est-ce qu'il me passe devant lui? Non, le taxi il fait des trucs bizarres. What? Ok, il a fait une ligne blanche là. Il passe au rouge. Il tourne à droite alors qu'il doit aller tout droit. Il s'arrête, on sait pas pourquoi. Non, là il fait plein de choses. Allez. Allez monsieur, mettez-vous sur le côté. Ouais là, ça va pas du tout là. Je sais pas s'il transporte un passager, il est peut-être perdu hein, c'est un taxi hein. Il est peut-être perdu. Hop. Bon, j'ai pas trop de place moi. Est-ce que je peux ouvrir ma porte? Merci. Bon normalement ça devrait bien se passer. Les taxis c'est des professionnels, y a personne dedans. Bonjour monsieur, allez juste vos petits papiers s'il vous plaît. Merci. Merci, tout est bon hein. Gordon Palmer. Hop, on va demander au central. S'il est pas recherché, mais je pense pas. Licence valide. Bon, tout va bien avec lui. Par contre, monsieur, en fait, non, tout va pas bien. Vous avez vu ce que vous avez fait, ligne blanche, machin. Vous allez avoir une amende, monsieur. Est-ce que vous avez bu? Ah, vous avez bu de la bière. Bon, bah, vous l'admettez, on va faire un petit test d'alcoolémie, il n'y a pas le choix. Juste pour savoir si vous êtes positif ou négatif. Vous avez bu combien? Soufflez, soufflez, soufflez. Voilà, c'est bon. Oh, vous avez bu de la bière et vous êtes à 0%. Est-ce que vous foutez pas un peu de ma gueule, espèce de gros connard? Bon, monsieur, je vais vous mettre un... Bah oui, bah voilà, un warning, allez. C'est bon, vous pouvez partir. Allez, c'est bon, il m'a cassé la tête. Je sais même pas comment on fait pour mettre une amende, alors. Allez, bonne journée, monsieur. C'est pas grave. Oh tiens, on va prendre cette petite rue pavillonnaire. D'ailleurs, vous savez que... C'est qui me suit? Il n'y a personne qui me suit. J'aime bien cette maison-là. Je vais me permettre... Je vais me permettre d'y aller. Alors, il faut y aller la nuit, hein, ici. Hein. Pour ceux qui connaissent, bon, je pense que vous êtes très nombreux à connaître, mais... Il faut absolument venir ici la nuit. Si vous avez GTA, je vous montre un petit peu. Tout le monde connaît, mais c'est juste pour être sûr. Juste là, regardez, voilà. Michael, il habite vers là. Hop, faut aller là. Hein. Là, il y a le golf, faut aller là. Voilà. La nuit, vous allez ici. Et c'est très sympa. Vous me remercierez pour ceux qui connaissent pas, en tout cas. Je viens de faire une petite Paul Walker, là. Bon, allez, on va ressortir du coup. Et je vous reprends dès qu'on a une intervention qui, j'espère, va bien se passer. Ce serait sympa, quand même, ce serait sympa. Allez, à tout de suite. Ok, on nous signale une tentative de vol de véhicule. C'est la première définition de Grand Theft Auto, hein, de GTA. Donc c'est parti. On va essayer de le toper. Donc c'est quelqu'un qui nous a signalé un gars qui essaye de voler une voiture. Donc on va essayer d'y arriver à temps. C'est pas gagné. C'est pas gagné, hein. Des cassos dans cette ville, mon pote. Oh là là. Et voilà. T'es un complice, toi, ou quoi? Ça se passe où? Ça se passe où? Ça se passe où? Ça se passe là. Ça y est. Oh! Arrête, monsieur! Oh non, pas deux fois. Putain! On va essayer de pas le tuer. Rends-toi! Arrête-toi! Rends-toi! Tes deux mains en l'air! Il a lâché son arme. J'ai réussi. Couche-toi! On récupère l'arme et on le neutralise. J'ai réussi, mon pote. Et sans collègue, hein. Et bah, c'était pas gagné, hein. Par contre, il y a quelqu'un qui a renversé un poteau. Bon, monsieur, on va pas être gentil avec lui, hein. Arme à feu et tout. On va vite fait le fouiller. Bon, là, je devrais appeler plein de collègues, mais sincèrement, je vais pas le faire parce que je vais faire planter le jeu, j'en suis persuadé. Vu tout ce qui nous arrive depuis le début, on va imaginer qu'il y a plein de collègues autour. Il avait encore une arme dans la poche. Hop, allez, monsieur, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va appeler des collègues. Hop, dans ta gueule là, connard. Et du coup, voilà, il va se faire tout simplement ramener par les collègues qui sont arrivés sur place. Et puis voilà. Allez, bonne journée à tous. Putain, ouais. Allez, fin d'intervention. Bah ça s'est bien passé. Par contre, mince, le véhicule. Oh mais qu'est-ce que je suis con. Bah le véhicule, je pense que les collègues s'en occuperont là. Pour prévenir peut-être le propriétaire. Ou peut-être qu'il l'a vu le propriétaire, j'en ai aucune idée. Hello. Yeah, what's going on, motherfucker? Bon, allez, on va aller vers la plage. On va aller vers la plage. Alors, je sais que vous aimez bien les épisodes un petit peu longs, alors on va essayer de faire durer malgré la catastrophe qui se passe des fois, mais c'est bien, c'est rigolo. Oh, tiens, on va faire un petit tour sur Delpero Pier. On va faire un petit tour de manège. Non, on va voir si tout se passe bien là-bas. On va faire une petite patrouille. C'est vrai, on pourrait faire un peu comme les patrouilles de Sentinelle. Mais pareil, il se passe rien. Genre, tu marches avec ton arme. Et tu te promènes. Tant mieux hein, s'il se passe bien. S'il se passe rien. Mais je veux dire, dans le jeu, il se passe rien et c'est chiant. Ah! Ok. Il y a eu un véhicule. Il y a eu un accident de véhicule sur l'autoroute. On va y aller pour sécuriser les lieux. Aïe 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 aïe. Ça, ça me plaît un petit peu moins ces interventions. J'espère que aucun motard n'est concerné. Allez, on va s'en occuper. Je sais pas comment ça se présente. C'est la première fois qu'on a une intervention de ce type d'ailleurs depuis qu'on a repris LSPD. Hop. On va éviter de faire un suraccident quand même. Ok, oula. Ah bah ça va, tranquille. Enfin tranquille. Ah non, non, mais non, parce qu'en fait il y a des morts. Allô, s'il vous plaît, monsieur. Ok, on appelle vite les ambulances. Monsieur! Ok, il a l'air d'être tout seul. Alors, on fait tout de suite vérification de plaque. En attendant que... Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de sécuriser plus que ça, étant donné que le véhicule est bien sur le côté. Bon, voilà, mais eux, ils sont cons. Ils sont trop cons, eux. Pourquoi ils se mettent comme ça? Bon, c'est pas grave, c'est bien. Allez, monsieur. Vous allez y arriver. Ah, du coup, on va sécuriser les lieux, hein, vu qu'ils se sont mis n'importe comment. Arrêtez-vous, là. Voilà. Allez, dis-nous que tu vas y arriver. Mais il aurait eu un accident tout seul, ça me paraît bizarre, surtout ici. Bon, il est mort. Il est totalement mort. Ok. Ah, mais c'est qui force le passage, ces bâtards. Bon, les pompiers, c'est bon, ils peuvent partir. D'accord. Donc on peut aller se faire foutre, quoi. Ok. Et y a pas d'enquête à faire là, attendez. Parce que moi j'aimerais savoir quand même comment ça lui est arrivé là, tout seul. Il s'est rien mangé en plus, enfin je comprends pas. Ok, bah code 4, on va appeler les coroners. Bizarre, ça me paraît bizarre, y a pas un élément que j'ai pas vu là, peut-être. Les traces de pneus là, ici. Ouais mais ça colle pas. Les traces de pneus ça colle pas. Étrange. Étrange histoire. Et bon, le véhicule il va aller à la fourrière, hein, tout simplement. Bon, on va le déblayer. On va déblayer ça. Attends, je vais sécuriser parce qu'ils se mettent n'importe comment les gens. Allez hop. Attention hein. Allez, ils vont nous les prendre. Circulez moins vite là, circulez moins vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin des gens qui comprennent quelque chose ici là. Oh là le motard. Ouh, le jeu. Ok, il l'emmène. Parfait. Le véhicule vient de se faire prendre. Il est là. Parfait. Bon bah voilà ma foi, malheureusement on n'a pas pu déterminer les causes. L'autre il m'empêche de rentrer dans mon véhicule. Moi je pensais qu'il y aurait une enquête et tout, qu'il y aurait eu plein de choses à faire, mais en fait pas du tout. C'est un petit peu dommage. Allez, on va repartir. On va un petit peu patrouiller là au niveau de voir les véhicules sur le parking. S'il n'y a pas des trucs un peu bizarres ou quoi. Même si je ne pense pas, mais on va quand même aller un petit peu regarder. Alors, bonjour. Tout m'a l'air bon hein. Le seul con ici c'est moi parce que je suis en sens inverse. Non mais tout m'a l'air d'être bon. On va se prendre une dernière intervention et puis je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette vidéo-ci. Salut collègue, je vais me mettre derrière lui. Hop là. Alors attends, j'ai pas compris l'intervention. Une personne avec une arme à feu. Oui carrément. Une personne avec une arme à feu. C'est tout ce que j'ai compris. Non mais frérot, pourquoi il y a un animal là? Oh là là, comment je fais? Ok, une personne avec une arme à feu. Excusez-moi madame. Ok, c'est ce véhicule. Ok, là c'est la merde. Alors, je demande des unités tout de suite. C'est ça, donc c'est le véhicule noir, c'est ce qu'il disait dans le... Ok, c'est ça. Et du coup, ils ont des armes à feu. Alors, est-ce qu'ils vont ouvrir le feu? C'est pas... On sait pas. Il faut juste pas qu'ils écrasent des gens. Éventuellement. Alors attendez, là il n'y a personne sur la plage, c'est safe, faudrait en profiter. Hein. Est-ce qu'on ouvre le feu ou pas? Autorisation d'ouvrir le feu? Pneu arrière droit crevé. Oh, il y a un mort, d'accord. Là par contre c'est dangereux. Voilà. Faut le bloquer. Là il va écraser des gens. Voilà, tête à queue. Sortez du véhicule monsieur. Sortez du véhicule. Sors du véhicule immédiatement. Lève les mains en l'air, couche-toi au sol. Voilà. Couche-toi au sol. Putain mais c'est quoi, il y a un gars dans la voiture quoi. État d'arrestation. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui. Je sais pas what's going on. I don't know. I don't know. Ah. Bah voilà. Ah c'est bon, tout va bien. Non. Non, rien ne va. L'arrêt sur image est formidable quand même. Allez, arrête la putain de jeu de merde. J'espère quand même en tout cas que ça vous a plu, que l'intro vous avait fait plaisir et que le RP aussi on aura essayé au maximum. Voilà, c'est un petit peu particulier vu les circonstances, mais voilà, je sais pas comment ça va se passer les prochains LSPDFR, je vais me débrouiller, mais voilà, on va essayer de s'arranger. En tout cas voilà, n'oubliez surtout pas le pouce bleu pour m'encourager après tout ça et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était MColo, je vous fais plein de bisous, ciao tout le monde.